Yo les gamines, c'est Gizmo, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu plutôt flippant, d'après ce que j'en ai entendu. The Park. Oui, le parc. Voilà, c'est parti. Fun comme. Ils disent que c'est fun, donc peut-être qu'on va s'amuser, je sais pas. Wow, déjà on va régler la sensibilité, mon con. Ok, bon. Bon, Augustin, tu as entendu maman, tu restes dans la voiture. Attention, patrons, the park is now closed. Ok, donc ils viennent de dire que le... Bon, ta gueule, tu me laisses causer, oui. Donc ils viennent de dire que le parc vient de fermer. Wesh, monsieur, bien, on voudrait des tickets, s'il vous plaît. Wow, il t'arrive quoi? Wesh. Hey, stop. I think your boy just ran into the park. Oh, Augustin, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais dit de pas y aller, oh. Allez, Augustin, viens voir maman. Ah, il est là. Augustin, mais cours ta race, putain, c'est ton gosse. Bon, allez, Augustin, t'arrêtes de faire le mariole et tu viens. Wow, Augustin! Wow, qu'est-ce qui se passe? Wesh, t'es sérieux, il fait nuit. Eh, y a un monsieur qui rigole en plus, et oh, hein. Je suis fragile du cœur, calmez-vous. Ok. What happened here? Ah, on peut courir, nickel. Waouh, il fait pas confiance. Et moi, il me donne pas confiance. Oh, Augustin, reviens là. Augustin! Vas-y, c'est le gosse, il court plus vite que moi, je suis asthmatique, connard. Ok, let's go to the park. Wow, ouais, les bruits de fougères, on va éviter, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit précédemment, je suis fragile. Ok, est-ce qu'il faut rentrer là-dedans? Ah ouais, d'accord, donc en fait il nous faudrait une lampe torche pour rentrer là-dedans. Ça a pas l'air de faire si peur que ça, mais... Oh, une chaussure. I think this belongs to Calm. Augustin, tu as perdu tes Nike, bordel de merde. Oh, c'est un chipmunk. C'est mon frère chipmunk. Wow, le mec qui rit, déjà tu vas arrêter. Moi je suis pas ton srab, hein. Tu te calmes. Calm, stay where you are. Reste où tu es, Augustin. Augustin, t'es là-bas, je t'ai vu. Regardez, c'est mon enfant. Il est là-bas. Ok, Augustin, je viens le chercher. À bord d'un cygne. Near a great forest, there lived a... Oh, ça me rappelle les vieux musées où on va, ils racontent des histoires, là. Oh, c'est l'histoire de Hansel et Gretel. Stylé. Ouais, donc en fait, l'histoire de Hansel et Gretel, ouais, c'est le père qui les a laissés dans la forêt. Et voilà. Wesh. Putain, il m'a fait flipper l'écureuil. Ah, me regarde pas. Ah, j'ai des frissons. J'aime pas ça. Ah ouais, vas-y, regarde tes pieds. Ouais, donc voilà, donc en fait l'histoire de Hansel et Gretel, voilà, ils sont abandonnés dans la forêt. Ils vont essayer de trouver une petite maison. Ils tombent sur une maison en pain d'épices. Sauf que dedans, il y a une sorcière. La sorcière va vouloir grailler le petit. Sauf que sa sœur va empêcher la sorcière. Elle va la mettre dans le four. C'est long. Wesh! Arrêtez! Ah ouais, après. Ah ouais, ils ont graillé la sorcière. Je suis pas sûr que ça ce soit dans la vraie histoire, mais bon, tranquille. Ils ont graillé la sorcière, genre normal après. Bon bah ça y est, on est arrivé, c'était bien sympathique, c'était long, seul très très long, mais sympathique. Wesh. Retourne-toi, petit cygne. Voilà, merci. Wouah, ils font flipper les trucs. Vous êtes des malades. Laisse-moi descendre. Descendre, c'est bon, j'ai fini. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. Ouais, donc elle était en train de se dire qu'elle imaginait pas son fils dans de telles conditions que Hansel et Gretel, tu vois. En fait, j'y pense parce que tout à l'heure, elle a voulu le suivre en partant là, en prenant un cygne, mais elle aurait tellement pu l'attendre à l'arrivée. Je suis un génie! Wesh, tais-toi! Tais-toi! Ok, d'accord, donc il y a eu un accident ici.
En même temps, faut pas trop être devin pour le comprendre. Genre, il y avait un nounours crevé dedans, genre. Hein. Ah, c'est. Ça m'hérisse les poils. Là-bas, ça a l'air déjà plus joyeux, on va y aller, hein, de bon train. Ah, ça me rappelle mon enfance. Plein de tentacules qui tournent. Faut baisser la vitesse. Oh, nickel, on va pouvoir faire un tour, ça va être trop bien. C'est parti. Petit tour de voiture. Trop bien. C'est parti pour un tour. Wouhou. Oh, oh. Le mec, il y avait un gars là-bas. Il y avait un gars dans la cabine. Il y a un mec, il y a un cumé dans la cabine. C'est mort, j'ai pas confiance. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis sûr, il va se passer un truc, les mecs. Il est là, il est dans la cabine. Je sais pas ce qu'il veut, il veut du mal ou je sais pas quoi, mais. Oh, de Dieu, je sais pas, j'espère pas, il va pas y avoir d'accident. Oh putain, what the fuck, il est moche! Ah, il fait flipper! Ah, il a disparu. Eh, mais c'est des malades, hein. S'en fout. Attends, je vais te casser la gueule. Ah ouais, il est plus là, comme par hasard. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. Ouais, donc là, elle dit qu'elle a essayé de bâtir un monde meilleur pour Augustin. Que voilà, ça a été la merveilleuse chose dans sa vie. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, là-bas, il y a une meuf pas cool déjà. Ouais, non, c'est pas sympa. Vas-y, attends, je lis vite fait ça. Allez, c'est concentré. Ah ah. Non, mais les délires de petites filles cheloues, non, j'aime pas ça, moi. Non. Toi, je préfère les canards un peu.